T'es plus quoi, toi? J'hésite entre Xiaodun ou Cao Cao. Alors, vu qu'ils sont nombreux, je pense qu'on va se placer derrière, histoire de que les renforts puissent nous atteindre un minimum. Jean Pizzaiolo, good enough, c'est ça. Dominos, ils sont souvent à côté de la plaque. Ouais, mais honnêtement, là, bah, ils commencent à me connaître, hein, les gars. Là, le livreur, il va être bien noté, mais le pizzaiolo, il va manger ses morts. Ah, mais ça va! Il n'y a pas de ville en face! Non. C'est bien, C'est la ça! campagne. Alors, Chiadono ou Alors, attends une minute, Interrupteur? je fais quelques zooms sur Si Cao tu veux. Cao. Ah là là, ouais, Si son tu cheval. veux. Oh! Son cheval, il est tellement bien retravaillé! Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai pas vu Tatsuo, comment il est? Oh, il est magnifique. Ah ouais, il est incroyable, hein. Oh, Stylax. Alors, Jeodun, ça donne quoi, Jeodun? Ah oui, il a été rework aussi? Oui, bah oui. Ah, putain. Ouais, je fous pas trop la diff. Si, si, il y en a une. Si, si, il... Ah si, il a deux plumes sur son casque. Non, mais c'est pas ça, c'est le visage. En fait, c'est Oui, surtout les faces. c'est surtout le visage, ouais. C'est quel bouton pour zoomer? T'as pas un bouton de zoom? Bah déjà tu peux faire Alt-K pour virer toute ton interface en fait. Oui, mais ça, je sais, mais avant, t'avais une touche pour zoomer sur l'emplacement où il y avait ta souris. Oh Faire un petit zoom. je sais plus du tout. Ou alors, peut-être qu'il n'y est pas sur celui-là. Bon, alors, je te donne ça déjà. Qu'est-ce que je peux te passer d'autre? Ouais, tiens, je vais te passer ça aussi. Un triton, mec. Cao Cao ou Xiaodun? Qu'est-ce que tu veux? Ah, pourquoi tu me donnes des archers? Bon, rends-les-moi alors. Honnêtement, autant me faire jouer cave. Et ouais, Ah ouais. Jiaodun. Ouais, go Jiaodun. Ouais, ok. Faudra juste que tu boostes quand je vais le faire charger sur Ei. Tac, je vais te passer Yi au pire, hein. Comme ça t'auras un peu plus de cave. Tu vas me passer quoi, Ei? Non, Yejing, pardon. Ah, tu veux que je te rende Jiaodun? Non, 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 vas-y, garde-le. Comme ça, c'est juste histoire que t'as un peu plus de nid, quoi. Ok. Là, j'ai quoi avec ça déjà? Résistance charge, évasion en mêlée. Ah, bah ça peut être bien. Au pire, si t'es en duel, je peux très vite Ah oui, non, envoyer. mais oui, ça, il va falloir me booster. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça, regarde. Ce qu'il faut déjà, Regarde, c'est je que te j'ai une propose qu'on aille vision par sur un là. de mes. Ouah, il y a plein de paysans dans les champs. Si, il y a plein de paysans dans les champs, là. Il y a que ça, des pécores dans les champs. Ah, je me suis égouré de boutons. Déjà. Ah, mais il y en a une foultitude, hein! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc, par ici, hein. Ah, Moi, je merci. propose qu'on vienne se mettre là. Comme ça, tu sais, le Mais. lac, ça les fait chier. Ils peuvent pas passer dedans. Attends, bah, il faut que je les replace comme ça. Ah, C'est si, quoi? Il faut que j'aille tout ils droit. peuvent pas. Alors, méfie-toi. En fait, ils peuvent passer dedans. Il y a les rochers ici qui vont les emmerder. Ouais. Ah non, 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 ils peuvent vraiment pas passer dans le lac, là. Par contre, là, là, Est-ce que là. tu pourrais envoyer quelqu'un en éclaireur parce que j'ai pas la vision sur l'ennemi ennemi et ça Bien me. sûr. Yuejin la sentinelle, c'est ça, Yuejin la sentinelle. Ce Yuejin là. Yuejin. Yuejin Sama. Caca tes couilles. Ah, ça je sais pas. Je sais pas qui a mes couilles. Il est mort. Celui qui a mes couilles, oui, il est mort. Oui. Je les ai récupérés. Ah, le jeu est quand même incroyable. On y va au pas de course là. En plus, ils ont des bons archers, je crois, les turbans jaunes là. Ouais, ils ont des archers légendaires, j'ai vu là. En fait, c'est surtout des unités qui ont beaucoup de morale. Est-ce que j'ai des flèches enflammées? Pas du tout. Ok. Alors, il y a leur guérisseur qui m'a déjà provoqué en duel. Donc prépare-toi à te mettre à proximité de Jiaodun. Va vers Jiaodun avec Cao Ok, Cao. ok. Bon, pour le moment, on est bien là, ça va. Attention, alors, quand je te dirai, il faudra que tu le boostes, hein. Quand je te dirai. Là, il Ah, tu veux que je va. te booste sur la charge? T'inquiète, t'inquiète. Non, non, mais là, en fait, j'ai fait une vieille tactique de fourbe pour que son général vienne beaucoup vers nous. En fait,
donner un ordre. Voilà, à Jiaodun. Là, l'autre, il est en train d'approcher. Recule un peu nos armées. Tu veux que reculer? Voilà, parfait. Je vois plus. Ah, pourquoi il s'est mis à... pourquoi il descend du cheval? Quoi? Il est à pied? Oui, il est à pied. Il est... Okay. Pas compris. YOLO. Donc rapproche ton Cao Cao par contre, pour le booster. Ouais. Pourquoi ils sont descendus du cheval? De toute façon, j'ai une capacité pour l'évasion en mêlée, donc là déjà... Je comprends pas. Je ne capte pas. Oui. Vas-y, lâche la capa. Solide comme la terre. Il a l'air hésitant, hein. Ah, ils sont... Je sais pas ce qu'ils font. Plus vite que ça. Ah, ça y est, ils vont se battre. Visez les jambes. Bon, pas d'infos là-dessus, on attend la fin du duel. Ça devrait le faire, ça. En vrai, ça devrait aller. Vous êtes pitoyable. Mourez en silence. Tu fais quoi? T'inquiète, hein. Je me replace juste. D'accord. Alors pour le moment, le duel se passe plutôt bien. Garde ton Cao Cao à proximité de Jiaodun. Attends, il quoi? Il n'y a pas d'aura en fait. Mais il n'y a pas d'aura. Hein. Est-ce que je suis vraiment en train de le ta... Quoi? Non, ça va. Hein? Mais je sais pas, je crois et que. Oh, on n'interfère pas dans le duel là. Mais oui, je crois que Wajin il a mis un vieux coup en scred, frère. Tiens, écoute, ça va. Est-ce que le chat a vu le vieux coup en scred de Wajin? Est-ce que quelqu'un a vu un vieux coup en scred, s'il vous plaît? Attends, attends. Je suis en train de faire. Oula! Oui, faut pas rester là, monsieur. C'est pas de TK. J'espère pas. Ils arrivent ou pas? Non. Ils vont venir, ils vont venir. Hop! Ouh! Oh, deuxième coup là, allez! Ouais, il se fait avoir facilement, hein. Chaque fois il se fait avoir. Ouais, gros noob. Bon bah ça va, t'es bien, là tu reviens full life en plus. Hein. Le duel de merde quand même, ça se passe derrière nos troupes hein, quand même. Hein. Ouais mais il s'est fait piéger. Tu sais quand on te raconte... C'est pas très honorable comme type de duel. C'est pas... Bah si, personne n'interfère. Ouais, mais le truc, c'est que si, imaginons, il perd. Oula, mon dieu, mais il commence à. Oui, c'est une poil de la bête. Ah, oui, parce que c'est une sentinelle. C'est un peu une sentinelle. Ouf. Vous disiez. Ouf. Ah. Hop. Il vient... Le mec décapité, sa tête qui fait. Pardon, vous disiez. Le mec vient de se faire décapiter. Ni. Pardon, vous disiez. Le mec, il a lâché un pardon, vous disiez, tu sais. Recule peut-être les troupes parce qu'il va venir vers nous. C'est nous qui attaquons. Non, c'est... Ah, oui. Ah si, c'est nous. Ouais. Ils avanceront pas. Essayons de prendre les hauteurs alors. Basculons comme ça. J'envoie une partie des troupes comme ça. Et moi j'envoie Jiaodun défier. Alors il veut pas se barrer. Apparemment, il veut pas se battre en duel. Je vais donc essayer de trouver l'autre impudente qui fait partie de son armée. Yuejin va-t-il du? Je suis pas un grand convaincu de faire du Yuejin. C'est bon. En même temps, ça aurait été étonnant qu'il perde, hein, pour le coup. Nouveau duel prévu. C'est bon, je ramène le poisson. Encore? Oh merde, ça me tire déjà dessus. Oui. Ah, par contre, 30 minutes, on va peut-être avancer quand même. Hein. De quoi? Attention, hein, bon, prépare-toi, assiste. Ah ouais, t'inquiète, je reste avec mon général. Tac. Fais avancer l'infanterie, par contre. Ouais. Il est quand même pas encore descendu de cheval comme un gland, lui. Alors, pour le moment, il bouge plus. Hein. Attends, ne l'attaque pas, elle est en duel. Voilà. C'est bon. Là, il faut le soutenir, par contre. Il faut le soutenir. Oui. Voilà. Oh putain, il y a Edgy qui est pas là. Alors, par contre, il y a beaucoup de troupes. Ça.
Oh, la cave qui prend plein fouet, mes lanciers. Par contre, ouais, c'est surtout les archers, là. Oh, ça va faire plaisir, ça. Oh, elle a fait tellement plaisir, cette charge. La charge, là, incroyable. Personne n'a vu une aussi belle charge depuis... Pas tous au même endroit, hein. Oh, y a que des archers, mec. Et ta cavalerie, là, il va falloir qu'elle balaye, hein. Oh là là, y a que des archers. Faut aller counter les lanciers aussi, parce que sinon, la cavalerie, elle peut pas balayer grand-chose, hein. C'est bon, je suis dessus. Ici, merci. Ouais. C'est bon. J'ai. Hop, c'est bon. Allez. Y'a un mec à taper là. Hors de contrôle. Ah, apparemment, j'ai réussi à me la faire. Oui, non, non, faut pas aller le taper justement. Il est hors de contrôle. Non, dégage, dégage. Non, je vais pas le taper, hein, t'inquiète. Mais t'es en plein dans la mêlée, t'es à côté de lui. Tu vas te faire suriner. Bon, elle est hors de contrôle, faut surtout pas les affronter au corps à corps. Non. Espèce de fou. Bon, je te laisse les archers là. C'est bon, là on peut le réattaquer. Dis à tes archers d'arrêter de tirer sur nos troupes par contre. Ça va être une bonne idée. Ouais. Attends. Oh, Marc, ça va là. Non, il tire pas sur les troupes là, c'est bon. Oh non! Ça manque de feu cette bataille. Cheaté, tu trouves? Ah bah, ça va. Hein. Avec deux généraux comme là. Oui, avec les deux généraux comme ça, mais en duel, il est pas sous-estimé. Ah non, en duel, non, par contre, il est. Overcracked. Y a quoi? Y a une troupe d'épéistes d'élite là? Je sais pas. Ouais. Ça vient, j'arrive. Attends, le général est revenu. Ayi est revenu. Oui, c'est normal, ça. Il fuit pas indéfiniment. Si on le tue, ça fera chuter. J'espère que vous avez apprécié les plans de caméra qui ont été faits. Viens à toi. Oh, mais ils saoulent là les archers. Meurs. C'est quoi cette capacité? De quoi? Tous les fronts. Oh, ça va, c'est pas ouf. C'est une capacité pour Sakura dans Naruto. Elle cumule absolument tous les fronts des personnages. Allez, seule. Hop. Un sandwich. À quoi le sandwich? Un sandwich aux épéistes. Ah. Non, je prends pas. Est-ce que tu pourrais dégager l'arrière des épéistes légendaires? J'ai une unité de choc qui va leur faire grand plaisir. Attends, l'arrière de ton angle. Hop, c'est bon. Parce que c'est des unités qui sont indémoralisables, donc il va falloir faire les dégâts en fait. Attends, bouge tes lanciers là, t'as des lanciers qui vont me bloquer dans ma charge. Non, bouge les lanciers. À l'aide. Ils ont quoi? Ils ont des boucliers hein? Ouais. Je vais devoir dégager ma cavalerie parce que elle a pas pu faire une bonne charge. Oh, ça y est, tout de suite c'est de ma faute. En fait, il y a l'unité de lancier dégueulasse là qui bloque. Mais purée, mais je les. S'il m'écoute pas aussi. Ah oui, bah. Ça c'est parce que tu n'as pas le badge de Jadiel. Donc tes Pokémon ne t'obéissent pas.
Oh, il est incroyable, elles sont incroyablement belles les unités là. J'avoue, elles sont stylées. Hein. Ça donne presque plus envie de jouer les turbans jaunes. Ah bon? Ah, je sais pas si regarder. Hein. Non, mais même les turbans jaunes, je trouve qu'ils ont un reskin stylé. Oui. Le pauvre turban jaune là. Oh. Ça sert à rien que je les chasse, de toute façon ils sont morts. Ouais, tout à fait. Ça c'est. Oh. Vraiment les unités indémoralisables dans ce jeu, ça me fume. Hein. Oh, il y en a, ils viennent se faire. Il y a un mec qui reste et il te tue, je sais pas combien de gars. Salut tes bébés. Ah le mec. Chat, bah, c'est bon, on peut arrêter. Ça veut dire quoi, chat? Je suppose que ils jouent à chat. Ouais. Quand ils ont gagné, ils font chat. Chat perché. Chat gagné, chat. Et merci Lucky Chat d'avoir follow Vegas. Non, c'est fou, et il remercie même les gens qui me follow. Chat perli pocket. Chapolipochette. Putain, mais les pubs de merde qu'on avait à l'époque, quoi. Tu te rappelles les pubs de Polypocket? La richesse est dans le pré. Ok. Est-ce que... Non, bah si je fais ça, en fait, ça ne passe pas. Et non. Du coup, tu vas rester là et attendre. Toi, t'as pas le droit de rentrer dans la ville. T'es interdit de séjour pour l'instant, tu vas dormir dehors. Et voilà, ça y est, tout de suite le confinement. Ah non, du coup, déconfinement, puisque il dort dehors. Bon bah, je crois que j'ai terminé mon tour, je crois. Est-ce que je peux faire la paix avec... Le mec, il déclare la guerre et... Non, oh, c'est bon, je veux bien te faire la paix. Alors, tu ne peux pas... Faire la paix à un turban jaune, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. C'est même impossible. Merci pour ton follow, Xora. Bienvenue à toi. Tu remarqueras que ça n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Bon, je crois que c'est bon, je termine mon tour, c'est tout ce que j'avais à faire. Hein, c'est parfait, hein. Allez-y, je vous en prie. Attends, je vérifie. Je fais un tour. Hein. Tac. Mais comment ça? Mais vous jouez deux tours à la suite, vous? C'est bon. Gars qui comprend pas. Comment ça, il joue deux tours à la suite? C'est encore mon tour, parce que j'ai... La supplique de Hanfu. Bien que vos frontières soient désormais sécurisées, vos réserves ont été largement consommées par les innombrables guerriers volontaires qui ont pris les armes en opposition au régime du tyran. Un de vos conseillers vous suggère de profiter des tensions entre Hanfu et Gongsunzan. Laissez entendre au premier que l'autre aurait des vues sur son territoire. Cela vous permettrait de proposer une confédération à Hanfu. Gongsunzan en sera contrarié, mais le résultat en vaudra la peine. Suivez l'histoire, conférez Hanfu, cela pourrait être perçu comme un acte de trahison. Yuan Shao entre en confédération avec Hanfu, et la guerre est déclarée entre Yuan Shao et Gongsunzan. Et dans tous les cas, Gongsunzan va te déclarer la guerre à un moment, de toute façon. Tout à fait, donc je vais donc confédérer Hanfu directement. Votre pouvoir augmente. Oui, je suis devenu second marquis. Yuan, et bien évidemment, donc on peut faire les trucs un peu RP. Par curiosité, vous vous aidez, mais à la fin, ça appartient au gros combat entre vous. Oui, c'est prévu comme ça. Moi, je l'aide pas, moi. Et ben, mange tes morts. À un moment, on va être voisin, et là, ça va dire, dis donc, le voisin, là, il ne regarde pas très bien. Dis donc, le voisin, là, palalala, palalala. Je suis donc devant nous, second marquis. Votre pouvoir augmente, vous êtes désormais second marquis. Incroyable. Ce qui fait que, du coup, on a débloqué des positions, ici. Alors, oh putain, il y a Jiling.
Y'a Chen Kong qui est dispo. Y'a Luigi. Incroyable. Oh non. Oh vas-y. Trop de monde dispo. Et j'ai pas et tellement peu d'argent, je perds de la thune, attends. Minute, stop, halte au feu. Qu'est-ce qui se passe? Y'a Chunyu. Ah mais j'ai Chunyu moi. Incroyable. Bienvenue, Altesse. Votre présence rassure. Je peux acheter. Non, je peux pas acheter, je vais casser des gueules surtout, mais. Oh oui. Et du coup, c'est où que je dois m'étendre? C'est là. Tac tac tac. Ah, c'est compliqué de s'étendre avec une seule armée quand même. Que voulez-vous, Altesse? Ah, pour le moment, Xenyu, je vais faire ça. Ou alors je fais plein de petites armées pas très chères et puis hop, let's go. Vous m'honorez par votre appel, Altesse. C'est ça la strat? Ah là, je sais pas si c'est faire des petites armées pas chères la strat, mais là il y a des trucs qui me coûtent cher. Je sais pas, j'ai pas encore tous les tenants et aboutissants de ce qui me coûte aussi cher. Eh bien, clique sur ton armée. Ou... Il faut des factionnaires. Parce que toi, t'avais une grande armée en plus, toi. Oui, mais c'est pas ça qui me. En plus, je crois que tes lanciers, ils coûtent cher. Alors, écoutez-moi bien, mon petit père. Allez vous faire foutre, je vais certainement pas. Chuanpei Chuchi. Chuanpei Chuchi. Ah oui, c'est vrai que t'as mis les voix en chinois, toi. Ouais, j'adore. Je trouve que c'est une belle langue. Ouais, bah pareil, oui, c'est chantant. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas de chant dans les OST. Si. Non, il n'y a pas de chant. Si. Quand? 100%. Alors ça... tu peux te prendre comme chant... Bah déjà, il y en avait un dans... comment ça s'appelait? Il y en a un dans One Against the World, il me semble. Il y a des petits chants, des fois. Around mais il y en a. Mais. For one, for you. Mais la meilleure, ça restera. Il y en avait une hein, qui était Legacy ou un truc du genre. Je la retrouverai. Et elle est chantée à fond. Ah, mais c'est dans les cinématiques, tu veux dire? C'est les musiques des cinématiques, hein, non. Du chant, peut-être. Non. Oui, il y en a, mais il y en a vraiment une qui sert au crédit du jeu et qui est magnifique. Sinon, je me souviens du chant dans le trailer de Donk Zuo. Et d'ailleurs, elle déchire la musique. Ah, lui, incroyable, ouais. Moi, elle me fait toujours absolument bader cette musique. C'est Elle est juste. T'as vraiment. Tu sens vraiment tout le côté tyrannique et despotique qui en est même, entre guillemets, un peu ridicule. C'est grave, tu t'y crois trop, quoi. T'as envie de mettre la Chine à feu avec cette musique. C'est ça. C'est vraiment... Vous êtes la Chine, vous? Je la retourne, la Chine, moi. J'emmerde la Chine, moi. Ah non, j'emmerde pas la Chine, je vous aime beaucoup. C'est un peu ça en plus. Je vais brûler, mais je vous aime bien. Ouais. Restez ferme. Allez, bim. On va espérer que ça suffise. Voyons un petit peu. Et si Lobu n'avait pas trahi Donk Zuo, est-ce que Donk Zuo aurait gagné? Dis donc, vous en avez pas marre de poser des questions à la con? Bah, en vrai, c'est une vraie question. Enfin, quoi, je pense que ça aurait pas été possible en vrai. Vu le nombre de coalition qu'il y avait. Conjointe de Hanfu, et ici il y a Han Lian. Trop de monde contre Donk Zuo. À un moment, ce serait pas passé. Ça aurait pu. Non, mais il aurait pu, hein. Il aurait pu y parvenir, mais le problème, bah, c'est qu'on sort jamais parce que Lubu. Vas-y, là. Lubu, il a tout gâché. Gâché l'histoire. Enfin, en soi, c'est pas la faute de Lubu, c'est la faute de Wang Yun. Parce que Lubu tue Donk Zuo. Par jalousie. Ouais. Entre guillemets, hein. Ouais, enfin, bon, après, ils se sont fait avoir pour pas grand-chose, quand même, au final. C'est quand même un peu triste. Hein. Alors, la Chine est assez grande. Ouais. Chancelier, il fera quoi, lui? Revenu de la paysannerie, plus 15%. Plus 15%. Nouveau salaire, 450 plus 200. Ah, mais vous coûtez tous extrêmement cher! Les effluves de l'été évoquent des promesses de jeunesse. Putain,
Putain, vas-y, il fait de la poésie et tout, là. Putain. Attends, je suis en train de regarder mon conseil, parce que là, mon et conseil... C'est quoi les critères à réunir, en fait, pour que Dong Zhuo se fasse assassiner, en fait, si tu joues Dong Zhuo? Si tu joues Dong Zhuo, apparemment, tu peux enlever les critères pour qu'il se fasse pas tuer, mais c'est quoi les critères, en fait? Ah non, alors, il y a des fois où, effectivement, il se fait pas tuer. Et du coup, c'est quoi ce critère? C'est hasardeux, c'est totalement random. C'est sûr, c'est genre si tu fais pas marier Diao-chan directement à l'Obu, tu supprimes le... C'est pas que ce soit ça, hein. Ça peut être alors, non, ah oui, ah non, mais j'ai déjà réussi effectivement à ne pas me faire tuer mon Dong Zhuo, et c'est parce que j'ai pas pris l'Obu avec moi. Ah! Bah moi j'ai réussi à garder Dong Zhuo. Enfin j'ai réussi à garder l'Obu. Et en fait j'ai fait marier Diao-chan à l'Obu. Ah oui, non, mais ça, forcément, ça peut fonctionner aussi, oui. Et du coup, Dong Zhuo, he's alive. Dong is alive. This is a Dong. J'en ai trop marre de moi. Tuez-moi, s'il vous plaît. Bon, comment ça se passe de ton côté, là? Bah, écoute, j'essaie de mettre des gens à la tête du pays. Putain, mais 450 plus 200... 500... Oh. Bah, y a des nouveaux salaires, là, c'est... J'ai mal au cul. Je vais attendre le prochain tour pour voir si les salaires, ça passe, là, mais... Là, pour le moment, les salaires... Non, les salaires, là, c'est pas... L'État paiera. L'État paiera. On sait pas trop avec quoi, mais l'État paiera. Le bout tue donc bien d'après les attaques de la coalition. Ouais. Moi, j'ai passé mon tour. Normalement, il y a un Dong. Il n'y a pas eu de Dong. De quoi Dong aurait dû mourir? Bah, il y a le Dong du passé tour. Enfin, Dong Dong. Enfin, voilà. Oula! Mort Cao Tsong. Papa! Papa! Vous avez vent de votre bien-aimé père, Cao Tsong. Ouh! Il a été piégé et assassiné par le vil Tao Qian. Salaud! C'est le vieux qui a tué ton... Vous aurez tout le temps de le pleurer plus tard. Pour le moment, vos conseillers vous prient de bien vouloir agir. Bah ouais, il est mort et je fais quoi, du coup? Attendre le moment opportun? Sûrement pas. Oui, bah, écoutez. Je suis le lore. Ah, je vais venger mon père! Je vais venger Papa! Papa! Tu as tué mon papa? Alors, c'est Tao Qian. J'aime bien parce que, regarde, non mais regarde le deal. Le deal est incroyable. Dans tous les cas, personne n'a tué Cao Tsong. C'est pas grave, de toute façon, j'avais pas vraiment de lien affectif avec lui. Papa, le seul lien affectif que j'avais avec toi, c'était... Le lore. Bah non, en fait. Le lore. D'ailleurs, il ne semble pas qu'ils aient rework Cao Tsong. Il me semble qu'il y a toujours une gueule random. Il me semble que Tao Qian, c'est à l'est. Alors, plus de riz ? Tao Qian, ouais, c'est à l'est. Et t'as intérêt à le buter parce que... Enfin, t'as intérêt à te faire attention à comment tu vas le buter. Tu ferais mieux de prendre d'abord ces villes avant de le buter. Parce que le vrai problème avec Tao Qian, c'est que... quand il meurt, ses territoires reviennent à Liu Bei, du coup. Oh merde ! Eh oui ! Monsieur Salemé! Ah merde! D'ailleurs, non. On va faire déplacer normalement, là, tranquillou. Bah, c'est bon, ouais, c'est la guerre, mais on va pas courir trop vite. Hein. En même temps, le père de Cao Cao, est-ce qu'il était vraiment connu pour des trucs, quoi? C'est quand même papa, hein. C'est pas très cool. Hein. Quel est votre plus haut papa. Fait, messire? Ben, c'est d'avoir donné vie à Cao Cao. J'ai un spermatozoïde qui a eu du cul, quoi. Ah mais quand même, c'est un exploit, hein. Mais du coup, c'est quoi la raison de pourquoi il est mort? Bah, c'est Tao Qian qui l'a fait assassiner. Oui, mais pourquoi? Parce que Tao Qian.
Ok. Intérêt. Intérêt vieux sur 20. Ok. C'est un papy, il est un peu sénile, le fond. C'est un papy qui voit un autre papy, il fait « Oh, je t'aime pas !» Et puis pouf. Enculé. Ensemble. Un papy rencontre un autre papy, la guerre des papys et... La guerre des papys. La guerre des papys. Congédié de votre service, Jushu. Oui. Xinping, congédié de votre service. Suite. Oh, un plan de licenciement. Ah ouais, c'est pas abusif, hein, là. Antong, pareil. An Lian, c'est qui? Ce qui est bien, au moins, c'est que t'as pas de... Les primes de licenciement qui vont avec, quoi. Merde, j'ai peut-être... Je pense que je viens de virer la fille de An Fu, par contre. Ah oh merde. C'est pas grave, tant pis. Le mec, on vient de le confédérer, tu sais, c'est votre fille, ça? Oui, viré. D'habitude, les trucs qui se... Je l'aimais pas, de toute façon. Genre, d'habitude, les trucs qui se négocient, tu sais, genre... Oui, du coup, vous virez pas mon enfant, tu sais. Bam. Fallait la marier, mais non, mais je vais pas la marier. Je vais quand même pas marier mon héritier avec, avec une âne bitule. Et puis en plus, ça coûtait de l'argent. Non, mais voilà. Alors qu'une seule reine. Ah, il a déjà été recruté, l'autre. Fait chier, quoi. Shen Gong. Bon, Wang Shu, on va déjà, le mettre. T'étais déjà en mode. Je cherche mes futurs employés. Je cherche... Bah je regarde un petit peu ce qui passe, parce que des fois, il y a des personnages... Eh mais d'ailleurs, je n'ai pas capté. Est-ce que je pouvais virer le daron? Ça aurait été marrant, ça. Papa, tu peux le virer ou pas? Papa, tu es viré. Attends, c'est moi qui ai entendu dire... Non, je m'en fous, tu te casses. Et attends une minute, petit, tu peux pas... Si, tu t'en vas. Si, je peux. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand. Oh. Quoi? Hop. Regarde là-bas au loin, je m'en fous. Oh putain, franchement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mon palefrenier m'appelle. Mon cheval s'est fait mal au sabot. Ah bon? Quel terrible jour. Alors, qu'est-ce que vous voulez? En échange d'auxiliaire, en échange d'un pacte de non-agression? Non, parce que je ne t'aime pas. Enfin, dans le lore, je ne sais pas si je t'aime bien ou pas, mais en vrai, je t'aime pas. Voilà. Hein. Oh, Léon, c'est tellement les... Yuan Shu, mais quel enfer. Il a une belle bannière, Yuan Shu, maintenant, ce petit relou-là. Ouais, mais il est mieux mort. Oh mon dieu, il est déjà aux portes de ma cité! Et que fait la police? De qui, Taoshian? Ouais, mais non, justement, la police... Je te rappelle qu'avant, ça appartenait à la révolte des turbans jaunes, la Peng Sheng. Hein? Hein? Peng Sheng, oui, ça appartenait à... Donc la police, justement, vient de débarquer à Peng Sheng en disant « Bonjour !» Je lis pas, oui, enfin, merci. Il y a la police et la police, vous me comprenez. Oui, effectivement, il y a la police. Oh, ça en reine est légendaire. C'est vrai, en plus, il est vraiment passé légendaire, en plus. Quel type de Pokémon es-tu? Dis-moi comment tu évolues. Oh, on te sort reine après un super bonbon et il est devenu shiny. N'empêche, vous trouvez pas qu'avec sa beubare, il ressemble à Siege? Non. Il y a qu'un seul personnage qui ressemble à Siege, et c'est Dongchou. Non, mais... Le Donk Siege. Y a une ressemblance quand même. C'est pas très flatteur de ressembler à Donk Sobo quand même. Ah si, moi je trouve que c'est hyper flatteur. Bon, qui je déploie moi? Je peux en déployer deux à peu près. Ah si, tiens, je sais ce que je vais faire. Oui. Je viens d'avoir une idée. J'aime bien parce qu'il y a quand même un mec qui me dit depuis tout à l'heure « Mais toi, t'as une grosse armée. » Le gars, il en a deux, des armées. Non, mais là, c'est un excès de...
C'est une question d'urgence. D'ailleurs, est-ce que c'était une bonne idée? Pas du tout. Ce n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas du tout une bonne idée. Oh merde! Oh shit! Par contre, Tsaoran a changé de classe. Avant, c'était une sentinelle et maintenant, c'est un commandant. C'est, bah, c'était une très mauvaise idée. J'ai dépensé de l'argent pour rien. Bon, voilà. J'ai pas envie qu'il meure pour rien. Donc, je le renvoie. Hop, terminé. Enfin, je le renvoie. Mais donc, joue sur un éléphant. Je sais pas si c'est possible. Mais je veux essayer ça. Éléphant. Aïe, aïe. Sinon, il faudrait faire Sinon, en vrai, il faudrait faire un mode. Mais oui! Mais c'est juste énorme! T'imagines, tu mets Dongjo sur éléphant. C'est juste. Ouais, mais en vrai, l'éléphant, je suis pas fan. C'est pas. Non, mais en vrai, c'est de la merde. En vrai, c'est de la merde, mais c'est trop drôle, je trouve. Parce que parfois, même rien que les montures, hein, parfois, les généraux, je les fais descendre de leur monture exprès pour qu'ils fassent plus de dégâts. Parce qu'en vrai, sur leur monture, ils font moins de dégâts que si tu les mettais à pied. Oui, non, mais ça, je sais. Après, bon, ça dépend. Hein. Honnêtement, ils sont pas non plus hyper puissants, les Nanman. Hein. Les généraux Nanman, en général... T'as mis délégué, ok. C'est bon. Ça va, tu t'étends bien. Ceux qui me trahissent, mais ça va, tu t'étends pas mal non plus. Hein. Il serait prudent d'occuper ces. J'ai un territoire à tout péter. Hein. Blu. Moi, j'ai une région, quoi. C'est même pas la taille du Pas-de-Calais, quoi. C'est... Ah, quoique. Si, ça fait un peu par cette taille, le Pas-de-Calais. Par rapport à la Chine. Pourquoi je peux pas bouger? C'est quoi ces simagrées? Bah, parce que c'est mon tour. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, quand même, mon nom est là, quoi. Eh, c'est dur, hein. Bah ouais. Par contre, ça m'inquiète parce que... Ah non, Taokan, c'est après son tour. Et franchement, réfléchir, c'est dur. Eh, ça va, hein, c'est pas facile. Hein. Tous les jours, là, c'est compliqué. Ah, il me fatigue. Il me suce mon énergie. En fait, c'est sa technique pour me battre, c'est il me suce mon énergie. Là. Ah non, mais tu te la suces tout seul. Hein. C'est toi qui dis des conneries depuis tout à l'heure. Hein. Moi, je... C'est pas vrai. Je suis lucide. Ouais, lucide. Si. Ok. Non, mais c'est toi qui le dis. Hein. Moi, je... Oui, oui, oui. Comment j'ai rien dit sur le Pas-de-Calais, j'ai parlé de la superficie. Oh la vache. La Chine, c'est grand. Le Pas-de-Calais, c'est petit. Ouh. Toi aussi. Non. Attends, ce que j'ai dit. Attends, c'est une interprétation. Il faut absolument que je trouve un truc. Attends. Ah non. Ah, j'ai rien, mais... Toi aussi, révise ta géographie avec... Vegas. Vegas, le meilleur professeur de géographie. Vegas, faut que je te coupe. Attends, en attendant, pas de Calais confinède, nord non confinède. Cher. Y a des questions qui se posent pour Lille. Hein. Ah, ça rage, hein. c'est réticent à confinède. Hein, Non, mais en fait, il dit ça, Kaiser, mais il est lui-même du Pas-de-Calais, là. Bah, il n'en est pas, il est arrivé, mais voilà. Il en est ou il en est pas? T'as Loubou qui vient dire RDV Gare du Nord, mais bon, Loubou vivant en Bretagne, le réseau ferroviaire. Loubou du Pas-de-Calais. Bon, Loubou il vient de Bretagne, c'est encore pire. Les dynasties françaises. Dis à Haute-Chan. Bonjour. De toute façon, Bourgogne. Alors, déjà, Asmir, quand tu sauras écrire le nom de ta propre région, on sera sauvé. La Bourgogne. C'est où la Bourgogne? La Bourgogne?
connais pas la Bourgogne. De toute façon, Lorraine, Supol. Tac, ça c'est bon. Ici, on attend. On est bien. Est-ce que nous avons actuellement... On est bien, papy Taochen. Je coopère. Non. Je gagnerai quoi, moi? Ouais, tu deviendrais vassal, quoi. Super. Bah, cool. En fait, il marquait hein. Coopérer, mais nous, à notre époque, ça serait vendre ton cul. Oh là là, cette régène du cul, là. Ah, donc Zou est mort. Oh, mais tu me spoil, fallait pas me le dire. Mais en fait, non, je te spoil pas, parce que je joue après toi, mais là, en fait, il y a l'événement. Déjà il est pas encore mort, mais... Y a non, Diao... pas encore. Non, pas encore, mais il y a... C'est en 202, je crois. Non, mais ça y est, ils ont envoyé Diao Chan, quoi, par contre. Oui, oui. Au diable, les je peux... Alors que ma crédibilité baisse, je deviens de plus en plus fou au fur et à mesure de la partie. En fait, ça répercute directement sur moi. Oui, mais c'est très bien. C'est en fait la crédibilité baisse et en même temps, je dis des bêtises. Ça va, c'est RP. Du coup, c'est demain, Eglo. Ah. Que t'as taco et que tu rejoues à Space Engineers. Ouais, c'est pas fou. Hein. Après, est-ce que j'en ai besoin? Bon, de toute façon, toi, il te reste quoi? 4-5 tours? Demain ou mercredi, normalement. Ouais, ouais, d'accord, ok. Le mec, il disait c'est mardi, maintenant ça devient mercredi. Hein? L'accès militaire. Nous faciliterons l'accès militaire entre nos factions. Mais oui, mais... Si je veux négocier ça. Je le regarde pas, sinon ce serait tricher. De quoi? Je... Ah non, oui, mais tu peux regarder, tu peux regarder. Moi je regarde, en vrai. En fait, actuellement, nos factions... Là, enfin oui, non, bien évidemment, on se connaît, mais du coup, on se connaît pas. Logiquement, puisqu'on s'est jamais vu. Ah si, on se connaît. Ah ouais, on se connaît. On se connaît. Alors, un peu... d'écrémage. Si minutieusement préparée soit-elle, la logistique peut échouer à cause d'imprévus, les provisions de l'armée s'amenuisent et les hommes vous accusent. Comment ça? Le mec se fait accuser parce qu'il y a plus de monde. La pénurie est inexplicable, mais vous devez présenter des excuses pour apaiser les troupes afin que la colère ne les pousse pas à la violence. Le stock de crevettes est épuisé. Ouais. Allez. Je suis bon. Bon. Ici, nous sommes face à un problème de type stratégique. De type pénurie de provisions. Non, de type... Non, même pas. Ça va. Non. Ah, ça va venir. Pourquoi il me parle de pénurie de provisions, mais d'où? Bah, tu viens d'accepter un malus. Ouais, mais je suis même pas en pénurie, c'est ça le plus non, marrant, quoi. Non, oui, mais ça viendra. Bah oui, c'est pour ça, je suis... Bah, le peuple a faim, bah, il faut manger. Oui, voilà. Mais on y arrive... Oui, mais on n'y arrive pas. Eh bien, il faut se forcer. Oui, mais on n'y arrive vraiment pas. Eh bien, tant pis. Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ça servira à rien pour l'instant. Ça non plus. Ouais, y a pas grand chose qui servirait là en vrai. Tac, tac. Ah, ça... C'est hésitant. On va faire ça finalement. Hop. Ah, en fait, ça va. C'est bien. Bravo, bravo l'argent. Comment ça marche, l'argent? Je sais pas. Ça, vois-tu ça ce caillou? Il passe très bien avec de la maillot. Révolutionnaire, c'est un génie de la cuisine. C'est un génie de la gastronomie. M'abaisserai pas de la sorte. Paré au bouclier, taillé à l'épée. Ah, c'est le printemps, ça va. Je m'étais dit, je suis encore un gros con qui a réussi à.
à passer au mauvais moment. Mais non, mais... Ah bon, quand même. Voilà. Alors... Ok. Ouais. Vraiment, on va poursuivre dans cette voie-là. Parce que le problème, en fait, de nos... Ah bon? Je peux pas faire plus en termes de pactes commerciaux? Curieux ça. Étrange. En fait là le problème c'est que les hivers font très mal à l'économie et j'aimerais dépendre d'un peu autre chose que l'hiver quoi. Allez, fais une bêtise. Me fait une bêtise! Mais il le fait pas en plus, ce sac à merde! Ah non, c'est l'IA de Three Kingdoms, hein, c'est pas l'IA de Warhammer. Mais parfois il l'a fait. Il veut pas? Oh, remorque. T'as quoi comme unité en vrai? Ouais, je me tâte, hein. Encore une fois, hein, tous les taquets que je mets à Warhammer, c'est pour rigoler. Warhammer. Non, sérieux. Warhammer, s'il fait pas certaines choses. C'est pour des questions qui sont proprement liées, tout simplement, au gameplay du jeu. Genre mettre de la diplomatie. Mettre de la diplomatie dans Warhammer, ce serait aussi ridicule que dire je veux faire tourner Cyberpunk sur... ah, comment ça s'appelle? Mais si, aidez-moi. J'attends un tour et après il est où? Sur... Comment elle s'appelle déjà cette console inutile? Non, ça fait pas. Putain, c'est dur! Non, l'Atari, c'est pas inutile, moi, c'est même. C'est dur, ma situation, là. Je suis déjà dans une situation fortement déplaisante. Non, en vrai, voilà. Oui, non, là, ce que tu viens de faire, c'est déjà très bien. Ouais. PS5, ah, c'est pas encore... On en est pas encore là. Mais non, c'est je traîne par... du coup. Je traîne. C'est fait par Nintendo. Oui. Damn, je viens de me ramasser un retour de bâton. Un retour de bâton de... De la populace. Ah, vous auriez donc une révolte... pas directement une révolte, mais des dissidents. Oh là, oui. Ouh. Ah merde! Ah, tu l'as pas fini? Non, tu l'as pas fini? Bah non, en effet. Ah bah oui, non mais... Ah non mais toi tu déclares la guerre à I, mais tu finis pas le travail quoi. Ah non mais gros, au bout d'un moment... Bah mais en même temps, regarde, lui il est là depuis direct, en même temps c'est galère. La Switch, voilà merci, c'est ça, c'est comme vouloir faire tourner Cyberpunk sur Switch, ça ne sert à rien, voilà. Y'a vraiment Cyberpunk sur Switch? Ah oui, non, mais bah, y'a bien Skyrim sur Switch à partir de ce moment-là déjà. Y'a bien The Witcher 3 sur Switch, voilà, à partir de ce moment-là. Oh y'a là. Oh. La Commodore, mais putain, mais la Commodore elle est pas du tout inutile. Bon, je délègue, hein, même pas la peine de résister à ça. C'est mort. Comment t'as pu déclarer la guerre à Ei et pas aller le finir directement? Mais il y a les Taokian qui m'a déclaré la guerre à côté. Forcément, je suis l'or et voilà le résultat. Par contre, Jurassic World Evolution sur Switch, c'est bien de ce que j'ai vu. Ouais, mais ça doit pas être... Bon, oh il faut que j'élimine cette armée de Taokian et après je peux me faire une deuxième armée à la limite. Ou alors faire une armée de défense. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais regarder mon écran, s'il te plaît? Ouais.
Oh non, j'espère que c'est pas ce que je pense. Oh, oh, bon bah FF hein. Oh, oh, le mec me paye 3000 balles pour faire du commerce avec moi. Putain, vache. En plus c'est Kong Rong qui fait le commerce quoi. Oh là 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 là. Et l'autre là qui me fait des accords totalement nique ta race, voilà, tiens. Ça y est, ça commence. Oui ! Quoi ? Il s'est fait voir. Il a été vu. Je ne dois pas fuir. Mais en même temps, putain, pourquoi c'est pas Cao Cao qui mène ton armée ? Ah oui, d'ailleurs, pourquoi c'est pas lui ? What the fuck ? Oh, c'est pas grave. Je regarde. Cao Chan n'étant pas encore mon vassal. Mais est-ce qu'il a demandé du bois ? Profitons-en. Putain, fais chier. Mais tu m'étonnes que t'as été vu, quoi. C'est une sentinelle niveau 2 qui mène l'embuscade. Ah oui, mais j'ai même pas fait gaffe, honnêtement. Ça, en fait, j'ai fusionné les armées et ça l'a mis par défaut en... Bon. Écoute. Oh well. Hop, comme tout à l'heure. De toute façon, c'est lui qui m'attaque, hein. On lui laisse l'initiative. Ouais, bah écoute, là ce qu'on peut faire, t'as... Oui, bah non, on n'a pas de projectile enflammé. Ah tiens, j'ai même pas la tortue. C'est un peu triste. Bah non, on est au début de game, donc les formations, etc., ça vient après, quoi. Mais je l'avais tout à l'heure, j'avais mur de bouclier à minima. Et le papa, tortue. Ah, peut-être qu'il faut qu'il soit général ou quoi. Ouais, c'est peut-être ça. Enfin, ouais. C'est con, hein. On était à ça près d'avoir une stratégie. Ouais. Eh bah écoute, good luck. Attends, où est le reste ? Où est le reste de l'armée ? Où l'est-il ? Ah oui, d'accord, là-bas. Et tu veux pas m'accompagner avec ton Cao Cao ? Tu veux venir jouer au X-Wing avec moi et Cao Cao ? Bien, bien, bien. Une intrusion ! Embuscade ! Alors attends, l'autre, apparemment, je peux la combattre. Elle est hors de portée. Elle est hors de portée. Y a la cavalerie gauche qui nous charge. J'affronte Dammi. Il faut que t'ailles soutenir contre Dammi. Ah ouais, mais... T'es en combat là ou pas ? Oui, oui. Donc si, il faut que tu viennes lâcher ton... Bien vu. Allez, bim. Mais elle est no stuff, hein. Elle va crever. Elle est vraiment giga no stuff, hein. Ouais, même l'archer. Non, non, faut. Mais, ah oui, non, mais t'es con, toi. Il y a des cavaliers tout autour, hein. Ouais, c'est bon. Regarde, il m'attaque même pas. Il s'en bat de les couilles. Oh, il est en train de la pourrir. Boum, 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 boum. Tu veux pas, tu voudrais pas aller foncer sur Cao Chan éventuellement? Ah c'est pas con ça. Bah, tu feras gaffe quand même parce qu'il y a Jangba à côté là. Oui, il y a des lanciers juste devant. Oui oui aussi, oui, il y a ça. C'est vrai que ça fait partie un petit peu du décorum. Eh ça va. Là regarde. Hop, il est où? C'est moi ou il y a plein d'archers qui se sont séparés? Il est là. Allez, une petite baffe. Ah non merde, il a fait ça. Ah non, aïe 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 aïe. Ouais, baffe-le. Dégage-le. Je vais venger mon papa. On attaque notre noble. Tu as tué mon père. Oui, putain, allez, oui, mais trop bien, en plus, c'est vachement RP ce que t'es en train de faire. Et vu que c'est le Zbeul, est-ce que je ferais pas charger mon armée? Ah, si, carrément, vas-y, lance. Votre famille sera bien traitée après votre mort. Je m'en assure. Allez, bim, il l'a eu. Tu feras gaffe, ça va peut-être énerver l'autre. Ouais, oui. ça énerve l'autre. Ah, il me course! Un papy vénère, au secours!
J'accepte. Oh, Jeudoun enchaîne sur reboost, balance son boost. J'ai pas. Il est où? Il est quand? Pourquoi? 40 secondes. Ça fait chier. Est-ce que tu peux envoyer une unité d'archer sur la cavalerie de choc qui est à côté? Fais gaffe, non, rentre pas, attention, attention, t'es dans les... T'es... Oui, je suis dans le... Je suis dans le feu. Je sais, mais... Bah, en même temps, là, j'ai pas le choix, là, maintenant. Maintenant, je suis dedans. Ah, mais on n'était pas obligé de passer par le seul coin enflammé de la forêt. On pouvait se déporter sur le côté, quoi. Je veux dire, il y avait une strata. Hein. Oh la merde. C'est bon, ça va le faire. Il faut que je rejoigne Xiaodun, là. Dans 7 secondes, j'ai ma capacité. Voilà. Hop, c'est bon. Hop, voilà, un démoralisable en plus, je crois. Non, même pas, yes, non, c'est je sais pas si c'est un démoralisable, mais voilà, si tu peux poursuivre le vieux, effectivement, ça serait très plaisant. Allez, à moi ça. Bon, heureusement qu'il a tiré dans la forêt que, dans laquelle il est, à l'enflammer. Du coup, il est extrêmement con. Hey, mais il est près de ses lanciers quand même. Hein. C'est tout. Mais je le tape pas, ça me saoule. Quand il est en cheval, ils sont gogol. Hein. Il galère à se toucher, ce qui est normal. Faut être quand même sacrément adroit pour réussir à toucher son adversaire. Vas-y, défonce-le. Oh merde, il s'enfuit. Ah ouais, mais quand même, le cooldown de la compétence, elle est super... Nickel. Yo docteur. Tetsu, comment ça va? Champion contre champion, le plus tough gagne. Oh non, Tao Qian il squattait à... si on a de la chance que Tao Qian il est pas squatté à côté. En mode bah, je vais te balancer la fatigue de la rivière. Tao Qian il peut sale debuff hein. De toute façon, c'est le principe des stratèges, hein. Oui. Ça balance les duels. Hein. C'est pour ça que je demande aussi, que je demandais aussi à Cao Cao de faire le taf. Il est mort là, Tao Qian? On l'a eu? Je crois. J'ai okay. pas fait attention. Nice. Ah, c'est le problème, c'est comme ça quand c'est en quand c'est quand c'est en VO forcément. tes troupes, elles sont en train de fuir de partout avec le feu. Ouais, bah c'est pour ça que je suis en train de m'extirper maintenant là. Bon après ils vont pas fuir très loin, ils vont revenir, c'est bon. Pas grave, c'est un petit coup au moral mais c'est pas méchant. De toute façon on lui roule dessus là. Visez les jambes. Combien de kills ça va être ça? Ouf bon. Ah mais c'est mes troupes là qui viennent de tomber. Merde. T'as fait du TK? Apparemment. Oui, j'ai complot fait du free. Oui, j'ai fait du free kingdoms. Je disais bien que la notif Discord est mieux. Ah, notif Discord. Bon, à ce qui paraît, tes nouveaux overlays te plaît? T'amuses bien avec? Je suis content. Un client à toi? Oui. Ah ah. Encore une fois, hein, pour les gens qui seraient dans le chat... Sur le thème de Doctor Who. Ah. Encore une fois, pour les gens qui sont dans le chat, si vous cherchez un graphiste, et on parle pas juste de faire du graph pour du jeu vidéo, Vegas est un monsieur professionnel dans le milieu, indépendant. Déjà, vous pouvez avoir une petite idée en allant voir ses lives par rapport à ce qu'il a fait. Et puis ensuite, évidemment... Je suis prêt à parier qu'il doit y avoir un bouton sur sa chaîne Twitch qui permet de découvrir son book et ce qu'il propose. Je suis pas sûr que j'ai mis un lien sur mon portfolio, mais tu vois... Quel sac à merde. Voilà, voilà. Et c'est mon ami, hein. Il essaie de... On essaie de faire sa promo, mais non. J'ai fait un lien pour envoyer un mail directement, mais j'ai pas fait un lien pour le portfolio. Bah en vrai, ce serait plus utile que de faire un lien pour envoyer un mail direct. Hein. Tu as raison. Tu as raison.
Bah oui, mais ouais, Jean-Michel, je ne fais pas de marketing, moi. Nos troupes s'enfuient. Nos troupes s'enfuient. Ouais, bon, bah voilà. Résumé ouais, de... C'est un peu le résumé de cette game, ça, nos troupes s'enfuient.